Chaque histoire, chaque rencontre, chaque légende a sa part de mystère. Laissez-moi vous raconter celle de Lucky Murphy. Murphy était un escroc, le genre de type qui ne laisse jamais rien au hasard. Il parcourait le monde entier pour monter des arnaques en tout genre. Et en souvenir de chaque méfait accompli, il emportait avec lui une carte de l'hôtel où il séjournait. Il se souvenait de chacun de ces endroits. Les fameuses plages de Californie, les folles soirées parisiennes et les jolies filles de Vérone, en Italie. C'est d'ailleurs avec ces cartes qu'un soir d'été, dans un hôtel en 1950, il commit sa plus célèbre arnaque. Il donna les cartes d'hôtel à sa future victime, l'invita à choisir secrètement l'une d'entre elles et lança un pari. Devinez le nom de l'hôtel choisi. Évidemment, n'importe qui aurait accepté ce pari perdu d'avance. C'était impossible, Murphy ne pouvait pas savoir. Et pourtant... Alors, Murphy savait-il lire dans les pensées? Avait-il un don particulier? Ou avait-il simplement eu de la chance? Sa victime voulait en avoir le cœur net. Elle lui proposa de rejouer tout ce qu'elle venait de perdre. Murphy accepta, à une condition. Cette fois, il tenterait de deviner à l'avance quel hôtel serait choisi. Comme je vous l'ai dit, Murphy était le genre de type qui ne laisse jamais rien au hasard.